Gary Conille déclaré déportation forcée papi le papaquette dans la République dominicaine non c'est violation principe fondamental dignité moun. Gouvernement créé un groupe travail interministériel pour accueillir et puis prendre en charge migrants yo. Et stricti ça pour le coordonner et renforcer réponse diplomatique et humanitaire yo. Gouvernement haïtien, Premier ministre Gary Conille, ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, yo a préparé yo pour yo bailler pays voisin yo une réponse diplomatique qui paraît à réponse par rapport avec ça y a fait haïtien compatriotes nous yo subi. Hier c'était occasion pour OEA réunie à l'extraordinaire en urgence sous situation pays haïtien. Nous gagnons des responsables des Nations Unies en République Dominicaine qui ont même ont convoqué directeur immigration dominicain. Dossier Haïti a li a fait un pile parler, li commencé à prendre une autre phase, une autre dimension. Entre-temps, pas bon la caille pas nous gagné déporté yo, gagné compatriote nous yo qui commencé après les qui commençait à tirer sous code là parce que yo pas consenti une promesse l'état haïtien fait yo une promesse gouvernement fait yo et bien pas qu'on gagne rien qui atterrit pour yo pas qu'on gagne rien sérieux qui a réglé pour yo. Cependant nous gagne président Leslie Voltaire qui n'a tête CPT à journée jodian qui a coordonné qui a fait réunion qui a qui dans chita parler. Tout j'ai braqué sous lit, tout j'ai fixé sous lit, en pile question à poser. Est-ce que Leslie Voltaire, qui presque chaque mois en République Dominicaine, elle prend soin de santé pour sauver la ville, est-ce que même Leslie Voltaire, ça, qui est au bord des Dominicains, est-ce que véritablement nous prenons le senti CPTA, qui prenons le bayon vraie réponse, nous prenons le senti, prenons le gagnon unité, yon coordination entre la primature et le CPT pour répondre, Jean Satadoué, à la déportation massive et forcée que la République dominicaine a fait. Nous prenons le dire plus sur le dossier si là. Nous gagnons des détails extrêmement importants pour nous partager puisque Journal Dominique Giorgio Libre lui-même l'a écrit sur rencontre qui était gagné entre responsables Nations Unies et dirigeants dominicains. Yo l'autre bord dans ce qui concerne les dossiers politiques pas bon ici Conseil présidentiel transition lui plus semblé à une association malfaiteur que toute l'autre bagaille. Ces déclarations, ancien colonel Himmler Rebu, qui fait partie de collectif 30 janvier, collectif 30 janvier qui rappelait ancien coordonnateur Edgar Leblanc-Fils en dedans conseil, hein? Et yon mette causé à terre. Yon tellement mette parole de yon, yon allé loin pour yon faire qu'on est. Si après rappel ça, yon ba Edgar Leblanc, Edgar pa gen courage pour démissionner. Eh bien, Edgar Leblanc, pas différent de l'autre à tout faire FIS qui a le braqué BNCO. Nous prenons pas ou plus de détails, nous avons une vidéo, nous prenons partager ensemble avec vous dans le dossier si là. Déjà, je vous invite, ou même qui fait tomber sur ce channel, pas hésiter, abonnez-vous sous TAC 509 sous Haïtien Connecté dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Nous prenons continuer par les pays. Nous prenons brasser l'idée sous des détails qui sont extrêmement importants pour nous, pas bon ici. Hier, nous avons OEA qui réunit sous dossier Haïti. Et nous avons des recommandations qui fait pas bon côté autorité dominicaine pour yon respecter parce que ça a bien de la fait haïtien subi là, li en violation à la Convention américaine de moun. Donc, Abinader, République dominicaine qui partit à la convention, si là, il t'a supposé respecter l'article si là, article 22.9, au lieu que yo violer. Le yo a fait déportation massive, ce n'est pas une simple déportation, c'est une déportation massive et forcée. Donc, yo quand même considéré comme un crime contre l'humanité. Ou pas qu'a fait déportation forcée, ou pas qu'a fait déportation massive. Séparer ti moun ak paran yo alors que l'on pour maman ou papa
qui sont menés petit li l'école ou qui te ti moun nan derrière on ti moun on mineur comment le pral défendre tête comment le pral sorti tête li donc des instances internationales Jean ministre affaires étrangères la madame Dominique Dupuis te mandé yo pour pencher sur situation haïtien République dominicaine et bien pas caché di nou dossier haïtien vraiment li kembe international là et en alerte par rapport avec ça qui a passé en République dominicaine. N'a commencé avec nous gagne yon photo extrêmement intéressant en caricature nous pral partager ensemble avec vous pour dire qui sont pensé de image si là et parce que vraiment bien en pile causé k'ap di moi imagine vraiment viral en pile et causé di sou image ça OK et on nous garder l'ensemble là n'a garder dans image ça. Dans première partie on ouais yo représenter Haïti yo monsieur cap nourri yo ti chat nous te penser son chat mais là nous fin gale bien nourri nous pral ouais son lion lié mais ça même ça cap nourri République Dominicaine yo représenter le par ti chat et bien l'elle vin grandi et bien li dévorer mais ça cap nourri là yo montre son lion République Dominicaine vinier elle dévorer Haïti. Nous t'a bien aimé pour nous dire qui ça nous pensait le caricature ça. Parce que côté pays arrivé là journée jodi question victimisation, question victime non, nous pas qu'arrêter focus sur lui toujours. Moment arrivé pour nous pour l'autre phase avec bataille pour nous sauver pays, bataille pour nous sauver Haïti. Ti moun ça nous t'a nourri journée jodi qui veut manger nous. Kounye a nous même question pour nous poser tête nous, c'est comment nous ka organiser nous pour nous balon réponse. Mathieu m'a dit ça, c'est pas parce que yo représente lion comme le roi des animaux que lion sont tout puissants, que lion pas un monde qui ka mettre dans la tête, que lion pas un monde qui ka stopper, que lion pas un monde qui ka freiner etc. Non. République Dominicaine te met ça lié. République Dominicaine journée jodi an qui sont pays en développement etc. qui sont pays qui en voie de développement qui sont pays qui gagne en pile progrès yo a fait là mais faut que yo ta gagne en pile pour yo ta dit que économiquement parlant yo ça yo ya c'est sans haïtien c'est sans Haïti c'est haïtien nous joindre et dans construction c'est haïtien nous joindre dans paquet building tout hauteur qui gagne République Dominicaine qui dans chantier construction cap travail c'est haïtien nous joindre dans bataille c'est haïtien nous joindre dans chantier mat c'est haïtien nous joindre dans chambre nan c'est haïtien nous joindre dans poulailler qui vomi je ba nous en Haïti donc moment arrivé vraiment pour nous unifier nous moment arrivé pour nous faire seul et unifier nous c'est pour nous kabay une réponse et c'est pas seulement République Dominicaine n'a bay tout l'autre monde tout l'autre pays tout l'autre dirigeant l'autre pays tant que Donald Trump a utilisé haïtien a utilisé Haïti a utilisé peuple haïtien pour faire campagne et dans élection li y a déshumanisé démonisé là nous mettons tête nous ensemble nous faisons seul li vle di on bagay et c'est une des raisons qui font toujours ouais en Haïti, n'est-ce plus sous base créer division, yo plus favorable pour créer hing-hang, pour créer chirépit. Parce que yo connaît, jou haïtien mette tête ensemble, li te met lion, li te met léopard, li te met n'importe salier, li te met n'importe structure, n'importe groupe, n'importe pays, n'importe nation, lè nous unifier, lè nous mette ensemble, nous ka fè gros bagay. Donc, journée jodian, imagine nos caricatures ça. Mais ça nous tape nourri, nous tape aidé journée jodian, living tourner géant ça. Living tourner lion ça. Li détruit nous pour le manger. Nous eh bien, nous même journée jodian gros bagaille pour nous faire. C'est pas seulement rester à plein sous son nous, à rester là jeol victime, nous victime déjà nous connaît. Et comme nous connaissons nos victimes déjà, je ne veux dire, c'est prendre responsabilité, c'est qui leur a pris responsabilité pour nous unir, nous, pour nous battre lion ça en réponse, pour nous battre tout l'autre lion en réponse, parce que lion, li ka pi gwo, li ka wa tous les animaux qui sont dans la forêt, qui sont dans la jungle, etc., qui sont dans la nature. Lan. Mais lion, pas fait ça, n'a pas sérieux, n'a pas honnête. Lion, il y a des gens qui sont anéantis.
Lyon a gen moun ki ka mete do la tête. Lyon c'est pour ça que chasseur. Ah oui, c'est pour ça que chasseur. Chasseur a chassé Lyon. Donc journée jodi an, le nous prend conscience que pays en bagarre était comme ça. Le nous prend conscience nous même qui a travaillé dans bataille, nous même qui a travaillé dans champ en République Dominicaine. C'est économie dominicaine nous a n'a bay jarrette au détriment de propre pays nous. Parce que le dominicain yo fait paquet produit, c'est Haïti yo vendu encore. Le dominicain yo fait paquet et jeu, c'est Haïti yo vendu. Le yo fait paquet du riz, yo vendu en Haïti, bagay yo pas même bay cochon la caillou, c'est Haïtien yo vendu. Production agricole nous pas jamais avancé non. Nous pensons n'a jamais kakembe avec poulailler nous, you know. Nous pensons n'a jamais kakembe avec production nationale là pour nous relancer. N'a jamais kakembe avec du riz, paquet du riz américain ça va rentrer dans pays non. Donc yo assuré yo que yo créé division, yo mette division, yo mettre une division pour Haïti style rester côté lié dans la bout sentiment. Kounia si nous vinn avec paramètre, Gary Conny dit et faut qu'on réponse diplomatique proportionnelle qui baille. OK. Pas de problème. Mais genre de déclaration ça yo. Genre de discours ça yo, faudrait-il que nous ayons des hommes et des femmes valables dans tête l'état au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Parce que parler de réponse diplomatique pour la République dominicaine là, pendant dominicain a pimpé ba nous là. Par milliers de compatriotes, nous disons nous parler pour nous recevoir. Je regarde des organisations qui ont même spécialisé dans la question des réfugiés. Nous avons commencé à prêler en moi, ils ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas de ressources. Là, c'est l'autre occasion. C'est l'occasion que le gouvernement a gagné pour montrer les pays qui sont travaillés, qui travaillent, qui travaillent, qui coordonnent une réponse immédiate pour les pays. Nous avons déporté, nous avons commencé à plaindre. Moun ki vini avec ti bébé même lèt yo bagay pou yo bay ti moun yo même diaper yo bagay pou yo mete sou ti moun yo oui yo déporté yo depuis samedi oui depuis vendredi gen moun ki la depuis vendredi oui c'est mandé a mandé côté réponse côté réponse donc jounen jodi an réponse diplomatique Gary Conny a parlé a gen compatriotes qui parlé de opération lock frontière est-ce que c'est ça pral une réponse diplomatique parce que pas oublier lok frontière là nous t'a fait rivière massacre nous t'es lok frontière nous t'es fermé frontière nous haïtien t'es montré dans premier temps yo kakembe après ça c'est même yo même qui aller dans bas fil dans contrebande al des produits dominicains donc journée jodi est-ce que nous parer pour nous résister est-ce que nous parer vraiment pour nous dire si nous lok frontière nous pral prendre décision pour nous planter la caille pour nous refaire la caille pour nous construire la caille. Et décision ça yo malheureusement c'est l'état qui pour accompagner c'est l'état qui pour faire suivi yo c'est l'état qui pour camper donc bagay yo en pile c'est qui ça le bralier gen sami qui parlait de opération lock frontière m'songe sou là nous t'a fait bataille KPK nan Wanamet dossier canal là Dominique t'a fait fréquent et puis nous même nous t'a dit bon ouvre lock frontière nous même tout n'a lock frontière pas nous. Yo pas comme même fermer pas nous te gèt fermer pas nous parce que nous te comprendre nécessité pour nous te faire bataille nous te comprendre sens du devoir patriotique là pour nous faire respecter souveraineté la caille nous pour nous faire respecter droit nous gagner même genre avec yo même tout pour te prendre prise sur rivière massacre donc nous pas de aucun problème jusqu'à un certain temps jusqu'à ce que nous te joigne des haïtiens qui te décidé à le faire contrebande passer en bas fil à l'acheter produit dominicain. Dominique yo te commencé senti impact là. Est-ce que journée jodi an et Gary Conny réponse diplomatique là, li pral faire partie de relation commerce Haïti République Dominicaine pour ta lok frontière. Ça c'est une. Konn yon ou lot aspect important, c'est qui est dirigeant, qui est autorité qui pral bay réponse diplomatique ça. Le nou ap gade deux aspects importants. Nou gen aspect politique là. N'aspect politique là nous gagnons nèg sa yo plus haut niveau dans l'état en pile nan yo gagne chaîne d'appartement en République Dominicaine yo gagne paquet bien en République Dominicaine c'est là yo fait brasio etc. Nous gagnons secteur privé mafia qui yo même yo gagne paquet entreprise en République Dominicaine c'est là yo pour paquet produit non contrôlé vin vomi sur marché haïtien qui gagne gros intérêt
comment décision ça yo pral prendre l'on secteur privé en Haïti qui influent dans politique là l'on des hommes politiques en Haïti qui se choule qui au bord des dominicains comment décision diplomatique ça pral bay comment réponse diplomatique ça pral bay 1er octobre qui s'est passé là depuis 1er octobre ministre commerçant yo te prend disposition pour yo mettre en vigueur de nouvelles règles d'étiquetage produits qui sont en République dominicaine, les avis en Haïti. Depuis qu'ils n'ont pas respecté les mesures au ministère du Commerce, prend yo, et bien produits ne sont pas rentrés sous sol haïtien. Ils ont pas saisi, interdit, etc. Est-ce que nous connaissons ces chambres de commerce Port-au-Prince qui allaient voir correspondance par le ministre, à l'ambiance au ministre, écrit ministre, etc., mandé ministre? Pour le camper sous toutes mesures, ça parce que yo te gagne un paquet de produits en République Dominicaine, etc. Si on décision comme ça, pas n'a avantage. Oui, vous connaissez, l'on fait business ou fait business pour pas perdre. Ou fait business pour faire profit, etc. Mais on nous sérieux, on nous honnête. L'on a te prend disposition ça. Les secteurs privés en Haïti, on te prend disposition ça. Pour l'écrit ministre commerçant. Le ministre commerçant lui-même, il te sorti communiqué à. Secteur privé dominicain, entrepreneur dominicain, yo te gen ta commencé à tirer pied au fâché estomaqué, yo te dit comment ministre commerce haïtien fait pour on disposition comme ça, on mesure comme ça, yo pral faire un paquet de déficit, yo pral perdre un paquet de com parce que produit yo pas ka courrier changer et étiquette produit yo pour yo mettre yo soit en français ou bien en créole, c'est en espagnol yo te ou bien en chinois, etc. Tout dépend de qui produit acheter dans l'autre pays pour y venir en Haïti là. Parce que Haïti a tout vous m'se do. C'est mon commerce en Haïti, oui. C'est chom commerce en Haïti, oui. Qui écrit ministre, qui dit ministre, 1er octobre, mesure pap ka et kembe, pap ka rentre en vigueur 1er octobre, non? Recule, poussel toujours, oui. Jusqu'à ce que journée jodi, pendant Dominique, a chassé haïtien, a humilié haïtien, a maltraité haïtien, a déporté massivement compatriotes nous yo. Eh bien, oligarque corrompu, yo te empêché ministre commerce respecter mesures yo, yo continue à voyer produits dominicains sur marché a. Yo continue à faire comme avec nous mais yo pas vle nous. Yo continue à faire après comme nous mais yo pas aimer nous, yo pas vle ouais nous, yo pas ceci, yo pas cela. Donc nous pral dim, c'est pral facile pour nous bailler une réponse diplomatique, le gagne gros intérêt économique qui en jeu. Et surtout là nous connaissons nous non contexte c'est pas question pays c'est pas intérêt pays qui a géré c'est intérêt personnel chaque petit groupe est-ce que nous ouais réalité est-ce que nous ouais gros aucun genre de défi qui devant nous et surtout nous au moment crucial et me dit nous ça c'est le parfait timing ou bon Leslie Voltaire qui au bord des dominicains est-ce que même Leslie Voltaire ça il pral aussi amer Jean Abinadel amer contre population haïtienne non est-ce que les Voltaire pral la meilleure contre même tout pour faire qu'on est Haïti son pays tant tout pays n'pa derrière la caillou malgré nous gagner des compatriotes qui illégal la caillou supposé rapatrier dans dignité ak principe convention américaine sous respect droit moun est-ce que les Voltaire ap ka rappeler dominicain ça l'ap ka rappeler Abinadel ça point d'interrogation. Bien, hier te genye yon réunion qui fait dans OEA. Réunion ça li fait dans OEA dans contexte de déportation massive côté ministre affaires étrangères là, li te alerté OEA, li te alerté un paquet l'autre organisation qui a défendre droit moun nan international là pour demander aider pour te secours par rapport avec ça dominicain a fait par rapport avec pratique inhumain dominicain et affaire haïtien subi traitement dégradant inhumain et que haïtien compatriote nous a subi l'autre bord frontière là gen pile haïtien qui yo même yo paré d'ailleurs gen moun parler yo dou yo paré pour yo venir en Haïti mais yo douleur yo venir en Haïti toute bagaille yo te gagner dominicain moun dominicain fait courir quitter la caillou depuis un bon bout de temps. Moun ki te déjà tap mal vivre en République Dominicaine, yo di ki sa l'état pral fè pou yo. Ki accompagnement l'état pral ba yo tout bon. C'est ça que fait moi-même, m toujours dil. Gen moun sa yo ka rentre là, surtout moun ki avec ti bébé avec ti moun yo. C'est des séries de moun yo déporté ki pa vin avec rien. Gen moun nan c'est seulement rad ki sou pou kòl lan vini.
yo déporté yo c'est dans zone nou, yo rapatrié yo c'est dans zone Bolakayo etc. dans département dans commune nou aide yo. Sou capable aide yo aide yo. Son mayo kabayo bayoul. Son sandal ou kachete pou maintenant pied yo fèl. Son assiette manjo kabayo bayoul. Ou konn pou ki sa? Parce que moun sa yo vini et yo vini nan pays yo. Fòk ou moun fè yo senti ou pale ta vre, mais fè yo senti yo la kayo. Si moun nan vini avec toute frustration l gen et puis il vini jwenn frè pareil, li sè pareil li et imilye nan pi milye yo. Moun sa yo toute frustration sa yo. Tout ressentiment sa yo gen ki kache nan yo a. Moun sa yo si yo deside yo vini la, yo vini met plus problème sou problème nou te deja gen. Ba la pi grave pou nou. Est-ce que nous comprenons? Donc tout ça qui possible pour nous faire, pour nous aider au senti yo la kayo, yo nan peyi yo, gen moun ki ka aide yo, gen moun ki pense avec yo, eh bien m'encourager nous fel parce que gen moun yo ka lagé nan des séries de postes frontaliers nan point et des séries de frontières qui pas même proche avec département, qui pas même proche avec côté sorti et en Haïti. Donc bagay yo ti jan extrêmement difficile. Et on va regarder attendez ensemble avec moi qui j'en s'atteyé dans OEA hier et dans moment que représentant haïtien dans OEA Gandhi Thomas lui-même il t'a pris la parole pour exposer les problèmes Haïti République Dominicaine. On va attendre ensemble. La défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers, les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996 qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent
en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Andiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, il est crucial de reconnaître que ces déportations sont menées de manière intrinsèquement discriminatoire, visant à marginaliser un groupe spécifique sur la base de son appartenance ethnique. Le fait de cibler des individus uniquement en raison de leur héritage haïtien perçu, même dans les cas où ils bénéficient d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Dis-moi, elle a bien, ça c'est causé raciste dominicain à régler. Et bien, raciste a fait. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Des organisations internationales comme Amnesty International partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine, et condamne fermement les risques d'expulsion de personnes apatrides ou de ressortissants dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président,
Si Haïti reconnaît le droit de tout État à définir et mettre en œuvre ses politiques migratoires, celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits des migrants. Ces politiques doivent également respecter les accords bilatéraux signés entre nos deux pays, tels que le protocole de 1999 sur les mécanismes de rapatriement, qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Une fois que tu copies là, nous exhortons. Mon cher, Gandhi, moi-même, je suis extrêmement important. Nous, c'est un modèle discours, c'est un modèle déclaration. Et véritablement, qui fait dominicain, en pile fois, il y a banalisé. Il y a des gens qui banalisent le racisme dominicain. Mais le racisme qui n'est pas bon côté dominicain, il est réel. Mais là nous rentrons dans la logique comme quoi et ça qui a passé en Dominicanie c'est seulement en question et pour nous ouais importance haïtien rien dans économie etc etc c'est comme si c'est faveur n'a demandé dominicain. Oui, Haïti important pour économie hein? Haïti travailleur haïtien yo aide économie dominicaine non? OK, mais les dominicains t'ont choisi fermer frontières là avec nous. Là nous t'avin là haïtien qu'on y a été accepté à le faire contrebande avec yo. Qui est-ce qui t'a rabaissé tête yo? Si dominicain ça yo qui t'avin après frontière t'ai fini fermer yo t'avin avec produit yo pour yo vinn vendre pour yo vinn vendre haïtien et yo pas joindre même yon haïtien. Tout monde t'ai campé à garder yo l'autre bord frontière avec produit sans que pas de aucun monde qui a le choisi acheter yo. Non mais yo t'a pas nous plus respect. Joune jodi en tant que dirigeant, en tant qu'autorité, en tant que moun ki gen maet la nan men yo, c'est pas moment pour n'a comme si mande dominicain faveur ou bien à fond aveu d'impuissance. Tant kou m'a tande ambassadeur qui a rappelé que impact déportation massive ça pral gagner sur instabilité en Haïti, sur insécurité alimentaire etc. Mais ça nous pour préparer la caille nous, ça nous pour faire la caille nous. Ça nous pour faire la caille nous. Moi-même, m'étais plus attendu avec un discours côté que nous t'as pral chercher toute convention, tout est traité et pas connait tout ça qui gagne pour avec violation droit moun, règle jurisprudence yo vin avec yo là, commencer détailler pour montrer crime ça qui gagne des déportations massives ça, qui gagne des déportations forcées ça, mais pas comme si vin bay un discours pour nous montrer et pour nous montrer impact déportation pral gagner sous insécurité alimentaire là pral gagner sous instabilité pays là. C'est comme sou te dans discours ça c'est comme sou di chaiza et pas chaiou te bay dominicain yo les dominicains après met tout bagay yo pral vinn trop mal pou bay yo pral vinn terrible pou non haïtien ça yo kap déporter à ces petits pays yo ye ces petites terres yo ye. C'est ça qui fait moi même li important pour me continuer exhorter nous. Pour me continuer à exhorter chaque grand haïtien pour nous comprendre Haïti c'est la caille, nous c'est nous pour construire la caille, pas grand monde qui pral faire pour nous. Pas grand monde qui pral faire pour nous. Bon me quitter ambassadeur à conclure. Monsieur le président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et a publié un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Je vous remercie. Voilà, nous sommes Gandhi Thomas, qui lui-même et c'est ambassadeur Haïti, ambassadeur Haï et Haïti dans OEA. Donc, il t'a parlé. Bien, n'avancer, nous gagnons, et je te promets, nous gagnons
Et quelques détails nous pral partager avec vous sur 17 octobre. 17 octobre, mobilisation lancée, frein, et qui c'est plateforme politique Guy Philippe Lan. Yo lancé en mobilisation côté yo invité peuple Lan. Vin foule béton. Si n'pas d'accord avec traitement inhumain, dégradant. Si n'pas d'accord avec racisme dominicain. Si n'pas d'accord avec discours haineux ça et Donald Trump gain contre haïtien qui vivent États-Unis. Si n'pas d'accord avec insécurité. Nous pas d'accord avec la richesse. Nous pas d'accord avec conseil présidentiel transition, j'ai à voler piller l'état. Nous pas d'accord avec mauvaise gouvernance, nous pas d'accord avec toute mauvaise pratique qui gagne dedans primature là. Eh bien rendez-vous en ce 17 octobre frein cassé là avec pays. Donc nous pral garder tendre ensemble avec moi intervention Chelson Sano qui lui-même li tout porter quelques précisions par rapport avec Jean Bagayoko a fait entre et opposition plurielle qui continue à faire des choses passer pour des alliés Guy Philippe avec reste population en nous tendez garder ensemble. Jodi a n'a mandé avec tout le monde qui pas d'accord avec ça qu'a fait là le 17 octobre force révolutionnaire d'entente nationale qui gagne comme sigle frein a organisé une grosse manifestation. Son gros soulèvement populaire n'a mandé population dans tout pays à lever campé puis se gayer pas qui met n'a mandé tout le monde paraît tête nous paraît tout corps nous présenter physiquement nous tout dans la rue qui se 17 ça 17 la donne river à la donne et qui est encore déjà annoncé pour 17 octobre frère annoncé pour 17 octobre nous attendons nous attendons pour nous avancer ça et bon. Tout le monde connaît dans le pays, nous gagnons force révolutionnaire d'entente nationale, frein, qui c'est la plus grosse plateforme politique pays qu'on est, qui annonce une grosse manifestation jusqu'à 17 octobre. Là. Et ça qui arrive tout, lui continue, nous t'a souhaité tout. Que nous tout faisons seul coup de clé avec elle parce que faut nous retirer mon ça nous pas mandé monde battre dans pratique côté que n'a fait manifestation pour manifestation nous bouquer avec bagaille ça non manifestation attendez manifestation pour manifestation sous chaque régime yo rien pas jamais fait attendez bien abouti à rien regardez ça que fait sous Jovenel Moïse regardez ça que fait sous Ariel Henry kounya là. Si nous faisons notre bataille, nous faisons notre bataille. Ok, monsieur Vladimir, il a privé, il a avancé pour répondre rapide. Manifestation que vous faites pour manifestation, yo, la presse pour beaucoup là-dedans. Raison que fait la presse pour beaucoup là-dedans, nous te créé yon André Michel, le monde sérieux a manifesté, qui te convient de manifester tout pour le devine faire ça, ce que là avec Ariel Henry. Faut nous prions pour ne pas créer le tout. Faut que nous prions pour ne pas créer le kounya. Parce que grand pilote pendant n'a parlé de braquer grand l'autre braquer là cap jouer braquer mais c'est pas tête surtout qui braque encore oh qui l'autre braquer gien des nèg c'est braquer cap jouer braquer c'est ça que la population ou pas n'importe nèg qui parle qui dit c'est opposition plus c'est ça ou en bas bagaille ça autour vive Guy Philippe parce que c'est lui qu'on est pas bleu faire. C'est lui qu'on est l'aile du peuple là, en avant. L'aile dit oui. C'est Guy Philippe qu'on est pas défendre poste ministériel. Et qui est-ce qu'on parle là? Nous gagnons ancien directeur général Jean-Tel Joseph. Oh. Et. Ok, nous avons la bataille avec nous. Jean-Tel Abmond accompagné l'annonce du 17 octobre, l'annonce du 17 octobre. Attendez. Moi-même, je ne suis pas venu là pour craser le bloc opposition plurielle. Mais opposition, Jean-Tel Joseph, avec Caleb Jean-Baptiste, moi, je dis à vous, Caleb Maronti, c'est vous. Parce que comportement plus semble être monsieur Capote, je ne sais pas si vous avez un sommet. Mais parce que là, il y a un garçon qui a frappé Bouddha, un garçon qui a fait une bataille, ça ne me comprend pas. C'est un série de petits braquets. Cap défendre poste ministère qui besoin cap goumer pour ministère défense. Ça dit bataille que le gars annoncé là c'est on bataille pour ministère, c'est pas vraiment une bataille pour pays, ça veut dire là. C'est pas bataille pays ah non, Jean-Tel pas fait bataille pour pays. Si Jean-Tel t'a fait bataille pour pays, il t'a bon côté sénateur Guy Philippe. Bon on est là millionnaire Guy Philippe. Tout le temps que nous recevons sénateur là, dit pas grand problème avec Jean-Tel Joseph. Jodi a moi sur le parole. Jodi a Chelson Sanon, coordonnateur départemental du CIDES. Force révolutionnaire de l'international frein, moi déclaré et pas gen moun nan frein ka demantim
Jean-Tel Joseph et Guy Philippe pas de aucun rapport. C'est lumière qui fait noir. Juste avec Samaritain. C'est lumière qui fait noir. Jean-Tel Joseph a bataille actuellement là pour joindre le ministère environnement. Jean-Tel Joseph a bataille pour joindre le ministère environnement. Non, c'est son. Attendez. Ben, vous l'avez là. Oui. Vous dites Jean-Tel Joseph. Vous suivez. Micro avec Guy Philippe, c'est la journée. La journée à la nuit. Avec des batailles qu'a mené là, Jean-Tel, Caleb, pas de rapport à Guy Philippe du tout. Mais Caleb, tout le monde est contre position depuis le général, l'ancien sénateur Guy Philippe, t'a annoncé révolution. Mais Caleb, Jean-Baptiste, déjà lui-même, ligne par ligne, c'était cassation. Et le même moment, ça tout, Jean-Tel Joseph lui-même, pas de jambes sous même lien avec sénateur Avoué, parce que sénateur Guy Philippe te dit lui-même, depuis ce monde qui est meilleur, trempé dans l'assassinat de Jovenel Moïse, tout le monde prison, faut que tout juge. Depuis là, ça, si sénateur Guy Philippe pas mourir, c'est pas Jean-Tel qui va tuer. Charge. On est très fort, matin. Ouais. Depuis le sénateur Guy Philippe te dit, depuis ce monde qui participe de loin ou de près, dans le complot, pour tous les présidents, faut tout juger le pays à stable. Depuis là, ça, Jean-Tel Joseph et sénateur Guy Philippe, c'est un chat et un yak. Moi, déjà, Jean-Tel Joseph, combien de fois j'ai rencontré ensemble avec sénateur Guy Philippe, depuis sénateur et aux États-Unis. Comment ça? Bon, il fait deux mouvements là. Bon, il y a un mouvement 7 février. Je ne vais pas me rencontrer. Et moi-même, vous le rencontrez, frère. Je ne vais pas me rencontrer. Pas là, comme ça. Mon téléphone, vous parlez. Depuis, non, attendez, ou si depuis le règne du Philippe est entré sur les États-Unis, il est entré là, libéré là, tout mouvement nous connaît fait, yo, toute parole qui dit, yo, téléphone, pas de bagage comme ça. On dit de oui. Pas de bagage comme ça. Physiquement, pas de bagage comme ça. Et c'était seulement plus gros erreur. C'est la révolution en distance. C'est la révolution en distance. Parce qu'il te rencontre physiquement, Jean-Tel. Bon. Parce que après au fond, il y a fait une kidnapping. M'a dit même j'ajoute. Pendant 6 ans 7 mois, il pas de contrôle sécurité que pour lui propre. C'est ça que fait n'a demandé et non non frein, n'a demandé justice pour agent là, est-ce que c'est pays à capitaine Doul. Probablement bon, pas qu'on a balle. Là nous là nous on a plus que 5000. Oui. Live sur YouTube, sur Facebook. Plus l'autre sac pour le bas encore. Plus, non, autant de l'autre monde, radio qui. C'est payé à 400 dollars. Sodi, tête ou clé là, ou clé ou pas fait qu'une faute. Nous sommes là. Faute, mais qui ça? Tête ou clé sur tout sodi là? C'est un membre fondateur. Le bloc opposition plus gueule, non? Regardez, si c'est là que Philippe est mort le 6 février. Jean-Tel Joseph avec bloc opposition pluriel li a jodi a la. Et t'as fait capital politique. Bénéficier l'an mois président. L'an mois président Philippe. C'est où mais bon bay. Son gros. Dine pas pour être deux ou trois bon bay deux moun balle. Li t'a pas de fou moun li. Sénateur intelligent. Li pas bay moun. Li pas bay moun géré sécurité pour lui. C'est ça qu'il faut slogan nous dans frein. C'est pep nous c'est allié nous. Pep nous c'est patron nous. Donc. Journée aujourd'hui à là, le sénateur Guy Philippe a rentré dans l'Ouest pour le vin bataille, ou a joint Chelson Sanon Cabré Sevoali, avec reste équipe qui m'a besoin de citer, ou a joint Pasteur Erson Belize. Qui ça va être grand monde, ça m'a dit dans la tête, mais femme de dire là, qui donc, ni Caleb Jean-Baptiste, ni Jean-Del Joseph, ni l'autre mec qui n'a fait, l'autre monsieur qui n'a fait. Empêcher révolution, peuple a atterri, révolution a fait, la fête et la préfète encore, parce que tant de monde. De là, c'est bon, pas de courant des bails, ça va garder live là, comme si tout le monde était au courant. Dans la live là? Tout le monde est courant. Jean-Tel Joseph, c'est un pire gros prêtre. C'est ça que je dis là. Je dis à ma mère de tout le monde. Je dis à, avant nous prendre mon avant nous prendre mon nom, on va faire annonce. Je dis à, M. Chelson Zanon, coordonnateur départemental du Sud-Est Frein, force révolutionnaire de l'entente nationale. Baptiste avec Jean-Tel Joseph, a réuni nous dans nos sénateurs de Philippe encore. Pas de bagaille comme sa pièce. Sénateur Guy Philippe, c'est force révolutionnaire de l'État national, frein. C'est une plateforme politique qui est liée. Tout allié nous en dedans nous. Frein pas un parti politique. Frein, c'est une plateforme politique. Force révolutionnaire de l'État national, li ouvre porte li bien large pour toute organisation ou bien parti politique qui t'a aimé fait partie des plateformes politiques ça qui relè frein. Depuis n'importe monde qui intéressé qui voulait entrer en dans famille frein
pour nous pas tromper nous encore, pour nous pas penser que l'on est dit li gon réveil k'ap bay folè que c'est allié, pour les monde dit que li c'est bloc opposition pluriel, nous pas dans opposition qui va défendre ministère avec moun, donc n'a faire révolution. Nous capable contacter Chelson ça non qui gagne mission ça, qui gagne responsabilité ça, m'a recevoir nous, nous capable contacter moi dans 34 89 72 47. Donc n'a entré en dans famille laisse à nous parler dans nos frères. Voilà, nous sommes tendés, Chelson Sanon, qui t'a baillé des détails. Compatriotes haïtiens et frères sœurs, n'avancez, nous allons terminer l'émission. Nous avons Himmler Rebut qui réagit et qui déclarait que le Conseil présidentiel transition plus semblé à une association malfaiteur que toute l'autre bagaille. On nous attendait bien rapide intervention Himmler Rebut et comme ça, n'a tout quitté là pour aujourd'hui. N'a croisé dans une prochaine émission. Sénateur Leblanc et tout CPT a te dit bon moment nèg yo vinn rive yo accepter Alchita devant ULCC. Donc soit répondre question de moun ki de enquêteur, c'est qu'on accepter que enquêteur a droit gon opinion sur situation yé. Yo bay rapport enquêteur dit ah suivant ça yo là faut monsieur ça aussi de la justice pour envoyer dossier devant la justice. Maintenant pas qu'a gagne suspicion d'acte de piraterie, de vol de tout bagage devant pour aller devant la justice et puis qu'on capable décider toujours. Qu'on pour laisser Steve Voltaire venir président là, ça vous fait, yo font arrangement encore une autre résolution en dehors de ça que tu prévois. Et puis résolution ça vient prendre force parce que youn monsieur dit c'est des délinquants yo décidé c'est yo décidé pour yo donc soit association de malfaiteurs que Lestie Voltaire Montaio parce que yo négocié et Smith Auguste était pour le président c'est lui qui était pour remplacer Edgar Leblanc Kounia ou vinn devant on fait ou trouver que le pas cap président question pour qui ça parce que règle a dit c'est lui pour président il est pas cap président mais il a voté pour vous pour venir président pour qui ça le pas cap président donc il est devenu un citoyen indigne pour d'accord pour le président en le pas cap président mais il a voté pour le fondre président et ben là il n'en bail mafia nouy c'est n'en bail mafia nouy maintenant comment vous voulez comprendre ou te poser une question si le Steve Voltaire rile moi si le Steve Voltaire rile m'a pas les bagages ami avec lui même pas qu'à reconnaître le Steve Voltaire que le président Jean le président là au point de prendre une décision pour l'état si le Steve Voltaire cap président parce que Smith Augustin voté pour lui pour cap venir président eh ben autant que Smith Augustin tout président pour nous avant nous propose là n'a pas rappelé mon que et note pour nous te rappeler Edgar Leblanc fils là collectif là te mettre le dehors c'est pas après Leslie Voltaire te prend fonction président conseil là avant c'était bien avant. Avant ça veut dire ça pour passation donc pas quand même parler de passation d'ailleurs non pas que passation Edgar Leblanc même si une résolution nèg yo prend elle parle dans cérémonie et deux accueil pas collé nous pas prendre décision parce que nous faire ce doux que nous pas même connaît nous t'attendait que Edgar Leblanc pour faire un discours dans radio nous t'ai réuni avec la veille oui dimanche à la mi-journée nous t'ai gon réunion avec lui mais nous pas de contenu décision pour prendre et décision nous vienne prendre nous même pas rien pour nous avec ça faire. Bon, pendant le fait discours là, il dit pas venir nous même nous tout rappeler bon collectif la sorti dans bail ça. Et n'attend pour nous réunir avec les parties prenantes pour nous cap connait qui décisionne pas. C'est le dans conseil là, c'est pas collectif là. Qui est Edgar? Non, collectif là rappeler le son bail fini. Bail fini, ça veut dire. Si qu'on y a quelqu'un pouvoir pour là pour col, pour là c'est comme une association de malfaiteurs qui monte. S'il décide il va faire partie de l'association de malfaiteurs, c'est décision personnelle. Mais collectif là mandé et nous dit dans notre là premièrement nous rappeler deuxièmement nous va réunir avec les parties prenantes et les autres secteurs pour nous connaître qui décision n'a prend mesdames messieurs auditeurs téléspectateurs il y a
continue à vivre dans l'insécurité généralisée totale capitale. Et gen yon pile expert en matière de sécurité dans pays a, si n'a pas de sécurité dans pays a, non pas capable nous-mêmes jeunes cap grandi jodi a, non pas capable dans recherche que nous fait avec moun que nous parler pas citer non. Nous estimons que son ressource qui pays a gagné mais qui pas exploité. On pas dit mal exploité, qui pas exploité. Jodi a problème de sécurité, ça a nous gué là. Colonel Imler Rebut a nos position pour c'est les mêmes qui a pris de bonnes décisions pour mettre sécurité qui premier bagage que l'étape fait. Bon, le rapport d'un un dossier, premier bagage, il faut qu'il y ait un renseignement sur lui. Ou pas capable de prendre pour ton solution à problème de sécurité sans qu'on pas qu'il y ait un renseignement. Renseignement que je gagne aujourd'hui, vin fait que c'est la première fois que j'ai un problème devant moi, je commence à dire quête, je vais être clair. Pour qui ça? Nous devons, on bagaille qui était un petit bouton, nous gratter, nous gratter, nous gratter, il vient tourner une blessure, qu'on y a presque tout non Java. Maintenant, je me demande, est-ce que le baguette est presque arrivé dans le niveau cancer? Le président Jovenel mourit. Nous avons un problème avec Matissan. Le docteur Ariel Henry vient monter. Il vient ajouter sous Matissan Canaan. Parce que toutes les au début Ariel mon dès qu'a prend machine monter dans plateau central à Lévin tranquillement qu'on y a le CPTA vient monter sous CPTA nous perdu contrôle quoi de bouquet net. Donc comme nous perdu contrôle quoi de bouquet, nous perdu contrôle axe qui menait dans plateau central là, nous pas perdu contrôle quoi de bouquet bien avant ça. Non. Non. C'est sous CPTA que nous perdons du contrôle quoi de bouquet net. Alors, il était commencé sous Ariel. Nous venons perdre du contrôle Gantier. Nous perdons du contrôle dans le sud là. Mariani Grissier. Mariani Grissier. Kounia, dernière semaine, nous venons de s'arrêter un massacre public qui fait carrément. Fonsonde. CPTA pour que j'aime faire un seul geste, à ma connaissance en tout cas. Seul bagay yo fait, yo fait deux moves, yo changé commandant chef la police, yo changé commandant chef l'armée. La police, sous commandement DG Rameau, a travaillé avec un coup chien fou. Matin, midi, soir, tout côté. Mais c'est un petit monde qui a un panier avec un petit gode qui dit al bol an mer, plein panier à de l'eau en mer parce que nous avons besoin de prendre bain de l'eau en mer la caille. Il y a beaucoup de gens qui ont tourné. Gen un matador superbe, nous tendez qui est Gary Goni. C'est lui-même qui a fait wall, chef suprême et effectif de toute force qui est dans le pays. C'est lui-même qui a fait, qui a coordonné l'état-major. Même dans l'Arabie Saoudite, qui ça l'a acheté, l'a acheté blindé. L'a acheté blindé toujours. En tout cas, le voyez l'image, ça a fait blindé la brigue. Oh, moi j'ai plus de 3 ans, m'a dit dans le pays, bagay blindé a acheté, pas capable résoudre le problème nous là. Parce que l'organe en force en face pour confronter force ça, première règle qui gagne faut ou affronter force là avec une force qui 3 fois supérieure à lui-même.
Cela veut dire que si m'gen deux nèg qui gen des armes de guerre dans main yo qui 200 moun si m'gen intention à l'attaquer faut m'attaquer avec 600 moun et faut m'gen en backup 400 moun qui tout là sous terrain pour si m'ta perdu moun dans 600 moun là pour m'capable faire pour capable faire justement pour remplacer pour faire pour renforcer ça c'est principe de base là kounye si moun yo gen tel zam nan men yo fòm gen un zam ki 3 fois pi puissant passé par yo a moins que kounye m pral opérer des opérations spéciales m pral faire un raid mais pour faire raid là li mande son bagay précis ou konnen nèg la se l'allié ou débarquer en 25 minutes ou prendre ou bien éliminer et pour replier. Pour qui ça? Parce que ou l'attaquer à une force qui pipiti parce que force pa yo. Et moi ouais par exemple, nous songe m d'ab di nous que affaire fait Kenya vini hein. Kenya pas fait un Pakita, un Panago. Pour qui ça? Parce que techniquement li impossible pour une force étrangère a le problème nous gain là. Dis-moi qui j'en un nèg qui est étranger. Pour le faire pour le rentrer dans corridor Cité Soleil pour l'opérer. Bon un nèg s'ap tourner. Est-ce que un nèg s'ap tourner? Kenya ou pas saute. Yo pas vinn mourir. D'ailleurs, yo voyé des policiers. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, depuis n'a essayé utiliser des forces de la police pour résoudre problème nous gen là nous pas nous jamais résoudre problème là bagay qui gen là m pa konnen li té une blessure li vinn un java m gen l'impression l'a tourner un cancer moi presque nous pral arriver dans amputation bagay qui gen là ou pas cap résoudre li ou ta cap d'abord monter une stratégie pour stopper l'. Nous pas gain assez d'hommes. Nous pas gain assez d'hommes qui entraînés. Nous pas gain matériel et équipement adéquat parce que l'heure pour opérer faut ouais. Et ou pas aucune opération qu'on cap terrestre les troupes à pied cap marcher sur la terre pas cap opérer bail résultat ça ou pas ouais. Et pour ouais faut gon couverture aérienne. Bon, il se trouve que dans bagay nou la c'est bandi yo mwen gen couverture aérienne. C'est bandi yo gen drone d'observation kap contrôler ki bon la police ki j'ai la déplacer bon nous même nou pa gen ça. Et puis n'a plein d'acte blindé. Tout moun wè ki n'a fait blindé c'est commerce y a fait. Les nèg l'acte blindé al gon 10%. Si achete un blindé pour 1 million de dollars, nèg ya ki fait achat li gen 100 000 dollars. Y a voué mettre sous compte. J'ai moun ki fou fou laï. Sans pour autant ou pas dévoiler certaines stratégies d'opération. Pas capable. Est-ce que colonel Rebu t'a capable faire des propositions avec moun ki la yo comme chef l'armée d'Haïti comme chef la police pour t'a capable connait par qui moyen qui façon que capable mettre yo ensemble unifier yo pour yo bataille contre insécurité. Premièrement techniquement on va pas mettre ensemble. OK. Parce que on veut ça que fait me poser question. C'est parce que l'opinion publique appelle monde quoi que l'armée et la police ensemble qu'à faire opération pour bataille contre insécurité. Non, voilà. Yo pas cap mettre ensemble. Yo pas le même mode opératoire. OK. Yo capable travail non conception stratégique non séquentiel yo kap fè alors ou kap gen un concept opératoire global par exemple Kenya moi même si m paraît là m'a brin travail pou m bay Kenya fè ke travail que Kenya capable fè mais Kenya pa kap opérer ensemble avec l'armée quand kou l'armée pa kap opérer ensemble avec la police. Ou gen doit monter en opération, la police vini il fait ça. L'armée vini il fait contention pour lui.
La police sorti, l'armée continue. La police sorti, l'armée continue. Ou relever l'armée, Kenya vient consolider. Ou kap fel couche par couche. Mais yo chaque mode et méthode d'opération par yo. Sa mando, sa rele. Nde we, premier ministre Foulaye, Gary Koni, ta fè sa, oui. Un joint staff meeting. Ou gon moun ki konsevwa opération yo globalement. Par exemple, même Jean, lèm d'abral fè et monte bagay palè national la. Mwen ge parol, mwen palè avec moun ki nan structure de renseignement. Ki nan tout zone chan massa. Ki nan tout zone en bas la ville la. Mwen gen renseignement minute par minute. Mwen pa palè de bagay kon sa avec la police. Mwen pa palè de bagay kon sa avec l'armée. Le pral monte opération gen on travail on partition c'est comme un jazz chaque ligne gen partition pa yo ligne code la gen partition pa ligne vent gen partition pa ligne basse percussion gen partition pa mais gen un chef d'orchestre harmonisé action yon a l'autre et puis musique la jouer mais chaque pas faire même bagay donc gen wall que la police gagne. Me dit OK la police va contrôler zone nerf central là c'est côté gen moun k'ap rentre moun k'ap sorti donc la police a contrôler ça OK l'armée ou même va contrôler enveloppe là périphérie pour me pas gen un nèg qui saute dehors qui vient rentrer dans nerf central là donc chaque moun gen tâche pa yo par exemple jodi a gen deux bagay sin ta gen équipement yo gen deux bagages la police cap fait très bien et faut pas mélanger rôle la police avec aucun autre monde c'est lui cap fait c'est lui pour gen moyen et équipement pour le faire l'œil fin faire l'a sorti il va faire l'autre bagage la l'armée a rentré l'œil l'armée fin rentrer il fin consolider il fin et d'abdou consolider ça la police fin faire et puis kounia ou cap bay Kenya organiser Kimbel. Maintenant ça demande qui matériel, qui équipe, moun qui bien agit et qui agit en don plan, suivant ça va pas observer ces bandits. Par exemple, par exemple, m'te wè c'est Gary Koni qui t'a fait joint staff meeting. Li te réunion lèm wè le commandant la mer, commandant la police là et commandant Kenya. Oui. Ça fait pour le fait. Maintenant ma question est-ce qu'il a connaissance pour le cap prendre des décisions stratégiques pour coordonner action ça. Donc, il y a une responsabilité à sous deux. Par exemple, il y a des fautes qui fait, me rappeler l'homme de web est construit, il mettait base Kenya beaucoup d'aéroports internationaux là. Me écrit tout le monde dans CPT, me dit ça pas fait Amérique dans foulaï parce que au contraire, on pas droit mettre une structure armée beaucoup tout aéroport international. Yo pas sorti. Si vous faites, vous avez une raison pour vous faire. Et une raison pas capable d'avantage à Haïti. Par exemple, Mathieu, nous voulons laguer toute chaille que nous gagnons sous deux étrangers. Étrangers n'ont pas agi à faire pour vous. Ils ont agi à faire pour partir intérêt par l'Igé dans ça. Donc, je ne suis pas capable de faire une solution. Pour qui ça? Parce que je ne connais pas la profondeur du problème. Yo. Et je ne connais pas non plus qui ça nous a opposé à eux. Seul ça me connaît. Acheter des blindés, son bail qui est important. Vous comprenez qui premier déficit blindé à bas où? Les métaux dans le déficit du nombre. Un véhicule blindé, par exemple, regardez, trahi la police passée pour te monter. Gantier, les nègres, ils te fait et monsieur 400 maroze, ils te descendent. Mais ils descendent, ils n'ont pas abrité 4 jours. Ils ont obligé de replier. Pour qui ça, ils n'ont pas l'avantage du nombre. Parce que le principe du nombre, faut envahir nègla que nègla pas gagne l'autre solution courir la gaze amateur courir jeter premièrement le maîtriser terrain en passo sous mettre en déroute pour la journée sous virer d'eau demain matin la vienne plus plus la préplacer la bien plus monde donc et jodi a tout monde a pour à travers le monde la guerre c'est technologique fait la guerre nous nèg nous dit qui bandi n'a cherché et puis nèg sur podium micro n'aimerait y a fait fête et 2000, 3000 moun devant yo. Y a fait fête. Et puis nous dit n'ap chercher yo. Nous gen moun nous dit n'ap chercher.
et puis les gens qui mourent dans la zone, c'est eux-mêmes qui ont l'autorisation pour aller chercher le cadavre. Nous ne pouvons pas vous l'aider. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi.